N'imyigaragambyo karahabutaka yiriwe hariya i Kinshasa ndetse n'abantu benshi cyane bahasize ubuzima kubera ko Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu gipolisi cyayo ndetse n'igisirikare FRDC bafashe umwanzuro wo kurasa amasasu ya nyayo mu baturage b'inzirakarengane bigaragambyaga. Ibi rero byababaje benshi mu Banyekongo barimo na Moise Katumbi Chapwe mu kanya gashize ashyize hanze ubutumwa bukomeye cyane turaza kugarukaho. Amashusho menshi yiriwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga Martin Fayulu n'abandi banyepolitiki batandukanye baniyamamaje nabo batangaje byinshi turaza kugarukaho. Nongeye kuguha ikaze nkanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Nta kindi usabwa ni ukureba hasi handitse subscribe ubundi gatanu kuri gatanu ukajya ukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Ni ibintu byarushijeho kuba bibi ku cyicaro gikuru cy'ishyaka ni ECIDE aho rero abarwanashyaka bateraniye ngo bagire uruhare mu rugendo rukomeye cyane rugaragaza agahinda bafite batewe no kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaribye amajwi akaba akomeje kugenda agaragara nk'umukandida uri imbere y'abandi bose. Nimo kugerageza guhagarika uru rugendo imbaraga zahise ziyongera rero abarwanashyaka batwika amapine mu mihanda itandukanye hariya i Kinshasa. Abapolisi bitabaza ibyuka biryanda mu maso mu gutatanya abigaragambyaga n'ubundi bakomeza kubyanga kugeza ubwo rero noneho babarashemo amasasu ya nyayo. Ntabwo byagarukiye aho ahubwo nk'uko byakomeje kugenda bigaragara mu mashusho yagiye ku mbuga nkoranyambaga hari n'abapolisi bahondaguraga abaturage babakandagira mu buryo buteye ubwoba. Ibyo byose rero nibyo byanatumye benshi mu banyepolitiki ndetse n'abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri gukora ibidakorwa mu guhagarika iyo myigaragambyo. Hagati aho rero Fayulu yari imbere mu cyicaro gikuru cy'ishyaka ategereje abandi bari bashyize umukono mu guhamagarira abayoboke babo muri urwo rugendo barimo nka Theodore Ngoyi nk'uko tubikesha actualite.cd. aba rero nabo ngo baje kugoterwa aho bari bari byihuse cyane rero abarwanashyaka ngo bagejejwe mu cyicaro cy'ishyaka aho abapolisi bakomeje kurasa amasasu menshi cyane muri abo baturage n'ibyuka biryana mu maso. Ni mu gusubiza abarwanashyaka nabo bateye abapolisi ibyo babonye byose aho ngaho amadirishya y'icyicaro gikuru kiri ishyaka ndetse n'amabuye yose batoraguraga aho ngaho bagiye bayamisha mu bapolisi nabo babarasagamo amasasu. Biravuga ko Fayulu we ngo yakomeje kwihishahisha mu biro bye by'ishyaka hamwe n'abandi barwanashyaka. Abapolisi nabo bakomeje gukaza umutekano imbere y'icyicaro gikuru cy'iri shyaka. Ni mu gihe Seni nayo ikomeje gutangaza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mu byiciro bitandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi barasaba ko amatora yabaye guhera tariki ya 20 Ukuboza ngo yateshwa agaciro. Moise Katumbi Chapwe nawe yamaze gutangaza ko atazirirwa ajya no mu nkiko cyangwa se mu rukiko rw'itegeko nshinga ngo kwamagana ibisubizo by'uburiganya. Mu kanya gashize rero n'ubundi yongeye gutangaza amagambo akomeye ku rubuga rwe rwa X aho avuze ati nyuma y'ibyabereye mu matora mu by'ukuri yoruganijwe cyangwa se yateguwe mu buryo buteye isoni. Ikibabaje ni uko abaturage babajwe n'ibyakozwe n'ubutegetsi ndetse na komisiyo ishinzwe gutegura amatora bakajya mu muhanda bagaragaza agahinda kabo. Nta kindi cyakozwe n'ubutegetsi buriho bw'igitugu bwafashe umwanzuro wo kubarasamo amasasu. Benshi muri bo bakomeretse abandi bahasize ubuzima. Ati turongera kwibutsa ko abaturage bafite uburenganzira mu by'ukuri bwo kugaragaza agahinda kabo n'ibitagenda neza. Ibyabaye ku barwanashyaka ba Martin Fayulu turabyamaganye twivuye inyuma kandi biragaragaza ubutegetsi bw'igitugu bukwiye kuvanwaho hakajyaho ubutegetsi ubereye abaturage. Ni Martin Fayulu nawe wongeye kwibutsa ko ibyo bakorewe we n'abarwanashyaka be ko bihabanye mu by'ukuri n'icyo itegeko nshinga rivuga. Moise Katumbi akaba yasoje ubutumwa bwe avuga ko bigaragara neza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo afatanyije na Seni ngo bateguye umugambi mu bugari wo kwiba amajwi ariko ngo ikibabaje ni uko bakomeje guhutaza abaturage batishimiye ibiri kubera mu gihugu cyabo. Reka rero mbareke mukomeze mukurikira amashusho y'uko byiriwe hariya i Kinshasa.
Serez avec nous. Reculez un peu. Vous devez être pas trop près du chef. Reculez un peu. Comment il va parler? C'est une manifestation non autorisée pour des raisons évidentes et sécuritaires. Et vous avez vu comment, lorsque l'organisateur s'est entêté, il y a eu effectivement des éléments perturbateurs de leur marche qui ont commencé par des jets de pierres et qui les ont insécurisés. C'est alors que la police nous sont venus pour remettre les canons. Et s'il faut comprendre aussi, il y a un petit bilan. Il y a des policiers blessés par des jets de pierre. Il y a aussi quelques mineurs blessés par les jets de pierre des intrus. Et c'est ce qu'on craignait. Et c'est pourquoi on disait qu'il fallait écouter la voix de l'autorité, qui devait prendre d'autres mesures nécessaires pour encadrer la marche, qui est constitutionnelle, bien sûr. L'autorité a demandé qu'il y ait des mesures d'encadrement et qu'on puisse balayer d'abord l'insécurité annoncée pour sécuriser les uns les autres. Et c'est vraiment déplorable. Si l'organisateur doit mettre à l'avant-plan des mineurs qui ne sont pas accompagnés par les parents, ce que prévoit la loi aussi. Je crois qu'avec le temps, l'organisateur sera interpellé pour justifier la présence des mineurs dans la manifestation qu'il a demandé. En général, est-ce qu'on connaît au moins le bilan de votre côté? Jusque-là, deux policiers blessés par jet de pierre. Et nous attendons, je suis en train de me rendre à l'hôpital pour voir les mineurs qui ont été légèrement touchés par des jets de pierre. Mais j'insiste, ça nous fait mal comme police si l'organisateur doit mettre à l'avant-plan des mineurs. L'organisateur, c'est Martin Fayoulou. Vous avez vu comment la police nous a attaqués. Notre programme était très simple. On se rassemble petit à petit et à midi, nous devrions quitter ici pour aller à la CENI, au siège de la CENI. Alors, malgré qu'ils ont barré les issues pour arriver ici, nous avons fait une stratégie. Et il y a des bus maintenant qui sont venus de Tcham avec beaucoup de militants. Et quand ils ont appris ça, je ne sais pas, ils ont infiltré, ils ont appris que les gens de Tcham arrivaient. Ils ont mis les gens, les jeunes gens de la milice de l'UDPS, qu'on appelle force de progrès, aux alentours pour barrer. Mais pour éviter que cette masse arrive, ils ont fait des tirs de sommation. Vous avez été là, ils nous ont attaqués. Regardez ça, il y a un policier qui a laissé tomber ça. Et ça, c'est la douille qui est tombée là où moi j'étais. J'étais dans cette salle-là, bon, c'est tombé juste à côté. Et j'ai ramassé ça. Donc vous voyez la violence avec laquelle la police nous empêche de manifester. Mais si ils avaient dit que la manifestation ne devait pas avoir lieu, mais ils étaient là, ils devaient nous contenir ici, pourquoi ils ont tiré? Vous avez vu de blessés? Et pour aller déposer, accompagner ces blessés à l'hôpital, il fallait qu'on aille demander au commandant qui était là la permission. J'ai appelé la MONUSCO jusqu'aujourd'hui, jusque-là, on attend. J'ai appelé les services qui pouvaient nous aider pour évacuer ces blessés. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. La police se mélange avec les éléments ou la milice de l'UDPS. Est-ce que nous sommes encore dans un état de droit? Est-ce que la police peut s'associer avec une milice? Est-ce que nous ne pouvons pas manifester? Nous avons dit que nous allons manifester pour dire non à ces braquages électoraux, à ces simulacres d'élections. Je vous avais dit depuis longtemps que M. Kadima, spécialiste d'observation électorale, était en train de préparer un chaos. Et nous y sommes. Les gens pensaient que Fayoulou allait rester dehors par rapport à la décision de la Mouka du 19 juin. Mais nous sommes entrés et nous avons dit à Kadima, c'est pour le surveiller. Et vous avez vu qu'il a été confondu.
qu'est-ce qu'il manquait à Kadima de proroger, de demander à la Cour constitutionnelle de proroger les élections d'une semaine ou de 10 jours pour acheminer les équipements.